Il s'agit du plus gros projet d'implantation, en tout cas de studios, de création de chaînes en Europe cette année. Et donc on s'est rencontrés pour la première fois au courant du mois de septembre. Par la suite, des demandes nous sont parvenues pour pouvoir réaliser des démonstrations avant une décision finale au mois de mars, avec un choix à ce moment-là mûrement réfléchi par SFR de faire confiance au couple Zero Density Dreamwall. On était parti avec une contrainte, avec un plateau qui n'était pas très très grand pour faire toutes nos émissions, et avec surtout un seul plateau pour faire 5-6 émissions. Techniquement, on a 8 caméras qui sont traquées avec 2 plateaux. On parle de 8 systèmes qui tournent en permanence, donc on est dans un vrai multicaméra. À ma connaissance, en Europe, il n'y a pas d'autre installation de 8 caméras avec tracking, avec moteur de rendu. Le but du jeu, c'est que les caméras bougent d'un plateau à l'autre. On bascule de côté réel à côté virtuel. Donc déjà, dans un minimum de temps, il faut réagir très très vite. Ils remettent le green key, le cyclo, et en moins d'une heure, il faut que l'émission suivante commence. Donc du coup, il faut que ça soit extrêmement rapide, et tout ça avec 8 machines derrière. Ce qu'on voulait, c'est que chaque émission ait leur propre identité. Donc on a décidé de partir sur des corps virtuels, et on est parti sur Dreamwall, notamment pour le moteur Unreal. On avait déjà entendu parler du Kayer, qui était aussi très puissant. Ce que ça apporte, c'est que on arrive à faire des émissions qui sont complètement différentes, avec des atmosphères complètement différentes, en plus avec des bascules de décors qui sont extrêmement rapides. La qualité du moteur Unreal est vraiment très très belle et très très impressionnante. Donc on est vraiment ravis de ce que nous apporte Dreamwall. La difficulté, ça a été vraiment de faire un rendu dans Zero Density qui soit exactement celui qui nous avait été fourni par le décorateur. Donc c'est vraiment une autre technologie, le temps réel. Donc ça a été la grande difficulté, et peut-être le gros challenge, c'est de réussir à avoir un rendu aussi poussé que celui qu'on avait reçu dans 3D Studio Max. Quand on sait qu'on va démarrer les répétitions pour la mise à l'antenne d'un nouveau décor, il y a d'office un infographiste d'Unreal qui va sur place et qui permet de pouvoir directement intégrer dans la scène 3D les changements demandés par le client, par la production sport en ce qui nous concerne. C'est vrai que ce qui a été très très bien, c'était le travail, la plus-value que vous avez apporté après pour le lissage de toutes les textures, la création de tous les décors, ça s'est fait assez rapidement. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec un outil en main où on peut faire beaucoup beaucoup de choses. Et adapter ce plateau, notamment le plateau Première Ligue, on a réussi à l'adapter très très vite pour d'autres émissions. On a fait les barrages de la Ligue des Champions avec, en basculant juste les textures, en changeant quelques boucles dans le sol, et le décor est complètement différent, il n'a plus rien à voir. Donc on arrive à avoir, même avec un décor virtuel, en le retravaillant un peu, on arrive à avoir vraiment beaucoup beaucoup de possibilités. Dreamwall a plutôt été là sur vraiment la partie création du décor virtuel. Après, c'était plus notre problème à nous, de faire en sorte que ce soit exploitable. Mais c'est vrai que les échanges qu'on a eu avec Dreamwall, quand vous êtes venu ici pour voir nos plateaux, vous nous avez assez vite alerté sur les contraintes qui allaient être les nôtres. Et d'ailleurs, vous aviez aussi des craintes par rapport à ça. Quand vous voyez le plateau et le rideau, le sol qui s'enlève, les goulottes, c'est pas un cyclo conventionnel avec les cages dans tous les sens. Je pense qu'on est tous surpris et heureux du résultat. En fait, la difficulté ici, c'est que le cyclo, là, c'est une toile tendue pour les murs. Au sol, c'est un vinyle, donc deux couleurs différentes. En plus de ça, il faut cacher les deux autres caméras qui sont derrière. Donc là, ils ont mis un pan de mur vert, troisième couleur. Et le mieux aussi, c'est qu'ils ont mis un écran réel dedans. Donc du coup, il faut faire des masques réels, virtuels, et ainsi de suite. Et ça, c'est ça qui est un très, très, très gros défi par rapport à ça, quoi. Mais ça marche, ça fonctionne, c'est le plus important. Dans un projet aussi ambitieux, on parle de 6 décors, dont certains avec d'autres déclinaisons, qui font que lorsqu'on a commencé l'antenne le 15 août, on est maintenant à l'antenne tous les jours, jusque fin septembre, en accompagnement des opérations. On va faire 6 jours de formation pour eux, et après ils sont totalement autonomes. Ouais. C'était un sacré pari, et finalement ça a très très bien fonctionné, et le plateau comme ça là est extrêmement fonctionnel, et d'ailleurs on réfléchit à le garder en vert en permanence maintenant, parce que finalement il est bien mieux comme ça fonctionne parfaitement comme ça.